Ce sentier-là, vraiment, ça se porte bien. Mais seulement, c'est le problème d'équipement et le problème de personnel, surtout. Donc, ici, au centre, ici, on n'a que 3 personnels de santé. Chef de centre, et une sage-femme et une infirmière d'État. 4 mois, je suis à Miti. Mais vraiment, les gens de Miti sont hospitaliers. Depuis que je suis venu ici, vraiment, je me sens à l'aise. Parce qu'ils s'occupent de leur santé. On tient au moins quelque chose de 7 salles. Les salles qui sont là, il y a salle de consultation, il y a salle de point de vente, il y a salle de soins, il y a une autre salle au moins où le gardien se couche, il y a une autre salle d'observation, une salle aussi d'accouchement, et une salle de PEV, et une salle au moins de laboratoire, de petits laboratoires. Petits laboratoires, il y en a au moins les petits examens qu'on fait, sel et glycémie, hein, et autres petits examens qu'on fait. Mais ici, le point de difficulté, c'est surtout le point de personnel. Et le local aussi, vous-même, vous avez vu le local. Il y a un peu, le bâtiment ne répond pas maintenant aux critères au moins d'un centre de santé. Vous avez vu la salle d'accouchement. Hein? La salle d'accouchement au moins est un peu équipée. Mais il n'y a pas de salle d'observation des accouchés. Vous avez dans un groupe, il y a toujours des personnes exceptionnelles, mais on sait toujours à gérer. Hein? Parce que nous, on a étudié pour ça. Hein? Donc quand tu viens, on souhaite savoir au moins comment la manière que tu es, on te prend comme ça. Parce que tu ne veux pas être trop catégorique, il faut être flexible devant tes patients. Je demande au ministère de la Santé et aux ressortissants de MITI de chercher à construire une maternité à part. Hein? Si la maternité est construite à part, vraiment, ça ferait plaisir. Parce que tout est là. Vous allez voir au moins, il y a une femme qui a accouché. La même salle d'observation et les mêmes salles d'observation des autres malades. Vraiment, ça, ce n'est pas bon pour la dignité des femmes. Il faut que la maladie soit à part, construite à part. Nous tous, on est fiers du ministère de la Santé. Et nous voulons surtout qu'ils redoublent d'efforts pour au moins s'occuper de leur personnel. Et surtout, au moins, la formation du personnel. C'est très important. Si le personnel est bien formé et a l'équipement, vraiment, il va exercer très bien son métier.